tengo fe en no venir cosas de ChatGPT. Te lo contando, bien. Annabelle. J'étais sur une piste, mais je me suis égarée. Comment tu peux être sur une piste depuis plus de 3 semaines et personne ne peut te joindre? Tu n'as pas donné le moindre signe de vie. Où est-ce que tu es? Non, mais c'est pas du tout. Ne bouge pas, je viens te chercher. Et surtout, garde ton téléphone allumé. D'accord, ok. Depuis la nuit des temps, certains hommes ont fasciné de par leurs dons et capacité à faire des choses exceptionnelles, qui encore ne trouvent toujours pas d'explication rationnelle. Ces hommes ont mis à leur profit leur intelligence, leur stratagème et leur facétie pour manipuler, arnaquer, escroquer, voire tromper les gens. Je fais partie de cette race. Alors, messieurs, dames, moi, Magic Joe, un Sénégalais lambda, je suis la terreur des fortunés illicites. Plus qu'une équation, le cas Annabelle me tourmente. Elle joue un rôle capital dans la vie du QG. Je refuse de croire qu'elle est malade parce qu'elle ne m'a jamais montré un quelconque signe de fébrilité. Est-ce que tu t'es demandé, ne serait-ce qu'une seule fois, si le QG est satisfait de toi? Non. Parce que tu crois toujours bien faire. Sache que je ne partage pas cet avis. On a plus besoin de ton intelligence que de tes gros muscles. Tu es trop impulsif, Prosper. On dirait un soldat qui agit avant de réfléchir.
J'attends de toi un élément réfléchi qui opère avec tact et perfection dans chaque mission. Pour commencer, tu dois apprendre à contrôler tes pulsions et rester concentré sur le sujet. Est-ce que je me suis bien fait comprendre, Prosper? Nous abordons une phase cruciale dans la vie du QG et je ne vais jamais tolérer le moindre faux pas. Aujourd'hui, Magic Joe, il est en retard. D'accord. Ok. Garçon, jus d'orange, s'il vous plaît. Verre d'eau et une tasse de café, s'il te plaît. Comment tu vas? Bien et toi? Tranquille. Comme toujours. Ça se voit. J'espère que tu ne m'as pas trop attendu. Non, j'ai profité de ce cadre. Enchanteur. Bon, quelle est la mission, boss? Là, je reconnais ma brave Siga, toujours opérationnelle. Je n'ai jamais douté de ta capacité à aller le plus loin possible pour le triomphe du QG. Tu me fais penser à Grace Jones. Yes. Grace est une grande actrice afro-américaine. Elle a joué le rôle de James Bond Girl aux côtés de l'agent 007. Merci du compliment, boss. C'est naturel. Tu m'as toujours donné satisfaction. Mais je voudrais savoir une chose. Laquelle? Qu'est-ce qui t'accroche dans ce 13e métier que nous avons choisi d'exercer? J'ai vécu des moments difficiles dans la vie. Le QG m'a donné l'opportunité de me racheter. Tiens. Allez, c'est fini. Arrête de pleurer. Bois ton jus d'orange. Merci de m'avoir fait confiance. Notre rencontre n'était pas un hasard.
pour moi le QG et une famille pour moi. Quelle que soit la mission, je vais donner le mieux de ma personne pour ne jamais te décevoir. Ça, j'en suis convaincu. Ça, c'est ma cigarette. Incroyable. Je dirais même que c'est dément. Non mais, femme fatale celle-là. Cette femme a déjà enterré 3 hommes. Cette femme s'est tapé tout leur héritage, ainsi que leur assurance. C'est normal que sa fortune s'estime à 4 milliards. On dirait que nous allons affaire avec une veuve noire. Ma tête a coupé, quelle s'est fait cette... Qu'est-ce que Janus a-t-il trouvé d'autre? Bon, âgé de 36 ans, on lui en donne 30. Et en 2000, elle portait le nom de Madame Sabali. En 2005, celui de Madame Lapierre. Et enfin, je dirais que cette femme est très, très ingénieuse. Ah.
essayer de trouver son adresse. Difficile de savoir où elle crèche. Mais j'ai découvert ses transactions financières. Et là, tout devient intéressant. Figurez-vous qu'il y a le nom d'un notaire qui apparaît très, très souvent. C'est Maître Tavares. Essayons de cadrer sa zone de prédilection. Peut-être que ça pourra nous faciliter la tâche. C'est parfaitement clair que c'est ce notaire qui gère tous ses biens. Essaye de trouver l'adresse de ce Maître Tavares. C'est comme si c'était fait. Bon, c'est au... 13e métier. Prosper. Oui, MJ. Tu es toujours en planque? Oui, mais toujours rien. Retourne à la base pour élaborer le plan B. Ok. Attends, il y a du mouvement à l'air. Je vois une voiture. C'est Monsieur Tavares? On dirait notre veuve noire. Effectivement, c'est notre veuve noire. Alors lâche Monsieur Tavares et suis-là. Surtout, exactement. Oui, je l'aime bien. Elle est très très jolie. C'est bon. Je peux enlever les quatre? Oui, bien sûr, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Émetteur, GPS, MJ,
la filature peut enfin commencer. Tout est opérationnel. Bien joué, Prosper. Il est temps que MJ joue les maîtres séducteurs. Je suis navrée pour toi, mais je ne le connais pas. Il s'appelle comment, vous dites? René le Toudou. Degna sax amna restaurant bu muy fréquenté fele ki dimbalé new du dolé dimbalé ma té li mom mënu fa dem té garde corps bobu non mu amé jëm non la ñaké kessa japp ci rek. Désolé madame, mais je peux rien faire pour vous. La roue a encore tourné pour moi. La chasse vient de commencer. Prochainement, dans 13e métier. René d'Almeida, troisième du nom. J'avoue que vous m'avez vraiment bluffé. Comment vaut cet honneur? Pressing Jack. Enchantée de faire votre connaissance. Bien moi.